Pour le moment, on ne peut pas d'abord qualifier de ce qui se passe comme un conflit. C'est une situation d'incompréhension qu'on est en train de gérer. Donc, comme vous le voyez, ici, à un moment, le domaine a été mis au compte de l'hôtel Noum depuis 2011, parce que je viens de voir l'acte avec les gendarmes que depuis 2011, le ministère d'Habitat avait mis le domaine au compte de l'hôtel Noum. Entre-temps, on a vu le groupe Adissad aussi qui était venu occuper les mêmes lieux. Et lui, il avait même mis la clôture. Ensuite, lui, il était venu à notre bureau avec un document dans lequel il y avait des infrastructures qu'il devait faire en faveur de la communauté, et tout en occupant de l'autre côté des rives. Donc, après avoir fini de mettre la cour, il y a eu renversement de régime. Et un moment, on a vu des groupes qui sont venus enlever les murs qui étaient là, on ne sait par qui, par l'ordre était venu d'où. Donc c'est resté comme ça, la communauté est revenue encore sur les lieux, parce que là où on devait aménager pour envoyer la communauté, le lieu n'a pas été aménagé. Donc la communauté est revenue de petit à petit sur les lieux. Donc c'est dans cette situation nous sommes. Ce matin, on nous a appelé comme quoi que l'hôtel Noum a amené des ouvriers en compagnie des gendarmes pour pouvoir reprendre les mêmes cours qui étaient faites par l'autre partie. Donc, sans aucune information, quand on a réussi, MSF, mon directeur, m'a mandaté de venir voir le constat, si possible, d'arrêter les travaux. Et heureusement, on est venu. On nous sommes compris avec les gendarmes qui sont là, on a arrêté les travaux. On a demandé à l'hôtel de se référer au département de la presse pour voir ce qui a lieu de faire. Parce que jusqu'au preuve du contraire, c'est un domaine qui est au compte du ministère de la Pêche. Et quiconque doit venir doit collaborer avec ce ministère-là. Et avec l'accord du ministère, il peut venir sans problème. Mais si toutefois il vient avec les gendarmes, c'est que lui-même, il n'est pas sûr de ce qu'il est en train de faire. Parce que si les négociations ont été menées jusqu'au bout, c'était bien fait. Il n'a pas besoin de faire tenir des gendarmes pour faire son travail. Donc c'est un peu ce qui se passe. Mais pour le moment, il n'y a pas de problème. Tout se passe bien. La population s'est accalmée. On a sensibilisé tout le monde. On a dit que le problème est au niveau des autorités. On a demandé l'hôtel aussi à comprendre. L'hôtel a arrêté les travaux. Donc on vient se tourner vers les autorités. Les documents qui disposent, on va voir qui a raison, qui n'a pas raison dans le dossier. Comme vous le voyez, j'avais commencé à creuser des trous pour mettre des soubassements de murs. C'était sur ça bon, que les uns et les autres ont intervenu. Bon, comme ça voulait dégénérer, on les a interpellés, on est venu, on a calmé toutes les parties, il n'y a plus de problème. Donc les travaux sont aux arrêts, juste à ce que les responsables de l'hôtel et le ministère de la Pêche puissent s'asseoir et décider quelque chose. En fait, ce n'est pas du malentendu. Seulement l'hôtel veut s'entêter. Moi, je le dis comme ça là. Parce que depuis 2012, lors de la pose de la première pierre, du centre de fumoir donné par l'Union européenne, que nous avons appris en ce moment que le domaine à partir du port est octroyé à l'hôtel Noum. Donc ça nous a étonnés. Et pourtant que l'hôtel, c'est un débarcadère, et le débarcadère a été aménagé par le partenaire dans la BAC en 1992, parce que le port d'abord, il faudrait comprendre que le port de Kémeka est ancestral. C'est ancestral. Donc, c'est en 1992 que ça a été aménagé avec les infrastructures. Par la complicité de certaines autorités d'alors, on a vu que nos infrastructures ont été démolies à cause de l'hôtel et pour construire quoi? Les parkings. Pour garer les voitures, on veut dégager toute une communauté. On veut utiliser la gendarmerie, la force de sécurité, pour qu'ils puissent
intimider la communauté des pêcheurs. Quelque chose qui ne va pas marcher. Les pêcheurs ne nous ont pas quittés, les pêcheurs ne nous ont jamais quittés, mais ils sont venus démolir des infrastructures. Mais vous savez que les pêcheurs, l'embarcation peut sortir et venir s'accoster. Ça, il n'y a pas de problème. Donc les pêcheurs ont toujours resté dans ce coin. Ils ont toujours resté là. Les pêcheurs ont toujours resté là. Donc nous, on n'arrive pas à comprendre. Parce que nous savons qu'à travers la récupération des domaines publics, le CNRD, c'était le combat du CNRD, et que le ministère de la Pêche en a profité pour récupérer son domaine et pour que son domaine soit officiellement mis à son portefeuille. Je pense bien que le ministère aujourd'hui, le ministère de la Pêche, a tous les documents sur ce domaine, montrant que c'est le domaine de la pêche, et y compris le titre foncier. Et avant que même localement encore ne vienne, il a trouvé encore la communauté de ces pêcheurs-là. Ici, le titre foncier, c'est le ministère de l'Habitat qui donne. Et le signé de qui? Quand elle dit que c'est le ministère de l'Habitat qui lui a donné en bail. Donc, on n'arrive pas à comprendre. Mais il faudrait comprendre que s'il n'y a pas de magouille dedans, autant où l'hôtel se disait que c'est pour lui, l'hôtel n'a pu rien faire sur le terrain. Pourquoi maintenant c'est autant de CNRD, ils veulent venir maintenant faire quelque chose, s'il n'y a pas de complicité. Donc, on s'attend si le CNRD aussi va accepter cela. Donc, si c'est le ministère de la Pêche qui va rentrer en complicité avec l'hôtel pour que le domaine-là soit dépouillé de la communauté des pêcheurs, nous attendons tout cela, mais nous n'allons pas accepter que l'hôtel vienne faire quelque chose là-dessus. Donc, peut-être que tous les pêcheurs seront en prison au temps de CNRD, mais nous n'allons pas accepter.